Et salut tout le monde, c'est GamerPGF, on se rejoint donc pour une petite présentation de mode. Donc dans ce mode, on va vous voir le mode Aircraft, un peu un dérivé de Zeppelin, si vous vous rappelez. Donc ce mode permet de faire voler des structures, dont le craft est une boussole, suivi d'un bloc d'or et d'obsi. Trois obsis en bas, plus deux diamants de chaque côté, donne un fruit pick 6. Ce pick 6, donc on en a qu'un, on peut le trouver bien sûr dans les transportations, dans le menu créatif. Les touches juste pour contrôler apparaissent sur votre écran et les liens utiles sont dans la description. Donc on va tout de suite commencer plus en détail. Donc vous pouvez le diriger à droite, à gauche. Moi je vais juste faire ça, vous allez voir, hop là. Donc on peut faire voler des petits blocs comme ça. Donc je vous montre qu'on peut les faire voler. Pour enlever, c'est clic droit comme pour mettre. Haribot Craft Off. Vous pouvez le faire avec vraiment tout, on va le voir, comme des bouts de verre. Comme ça. Donc le plus intéressant, ça va pas être ça, vous allez les comprendre. Juste, je vous dis juste attention avec les touches, parce que regardez, il y en a plein qui... Ça se loupe un petit peu, normalement, slash, moi ça met tout de suite... Ça me met ça là, ça ne marche pas, donc faut vraiment faire gaffe. Donc le plus impressionnant dans ce mode, c'est aussi qu'on peut faire avec ça. Ça c'est assez impressionnant, on peut même faire avec des torches. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, donc je tiens vraiment à le présenter. Donc faites gaffe parce que voilà, il y a ces sortes de petits lags assez gênants. Hop là. Je les mets correctement. Donc il faut aussi faire attention parce que regardez là. Ça ne marchera pas. Pour que ça marche, il aurait fallu un bloc ici. On va le rallumer. On va le faire juste descendre. Comme ça. On va le réteindre, donc on l'actualise en gros. Voilà, il faut juste que je fasse shift moi. Et là, ça marchera. Donc voilà, faut vraiment faire attention avec ça. Un mode vraiment très sympathique. Alors, ça marche donc avec les blocs comme ça, comme je viens de vous le faire voir. Donc franchement, un mode que je vous conseille qui marche avec Forge, hein, voilà. Vous le voyez ici, Forge. Et ça m'a bloqué à 30 FPS, ce qui n'est pas très grave. Donc ça marche aussi avec des tables d'enchantement. Ce qui se fait légèrement plus rare, on peut les descendre et allumer. Enfin, les monter, les descendre. Ainsi, enfin, on peut vraiment quasiment tout faire. Hein, avec les enclumes. Suivi des coffres. Mais si vous pensiez bien sûr que on pourrait enlever du bedrock avec, malheureusement, on ne pourra pas. Donc voilà. Alors je vais juste vous montrer un petit truc. Hop là, attendez. Des fois ça saccade un petit peu. Hein. Voilà. Bon, là j'arrive pas à bien le mettre, mais. Voilà, parce que des fois ça bug légèrement. Surtout parce que je filme, c'est pas des plus gênants. Hein. Vous, ça ne buggera pas normalement. Alors, on peut le faire avec des TNT. Comme ça. Ah oui, le truc, il est vraiment bugué. Je vais l'arrêter tout de suite, d'ailleurs. Parce que là, ça commence à m'énerver un petit peu. Alors, donc là, vous voyez, il y a de l'eau et de la lave. Alors, ce n'est pas soumis à Aircraft, pardon. Donc, voilà, vous voyez que ça... Que l'eau et la lave transpercent les blocs, mais ne coulent pas. Donc, il n'y a pas de risque pour que vos maisons prennent feu à la fin. On va le faire légèrement plus vite, voilà, double clic sur le bouton 2. Je désactive, donc vous allez dire, c'est un peu ennuyant, vous allez voir que non à la fin. Parce que regardez, on peut monter donc la redstone, ça c'est vraiment génial. Voilà, on va remettre. Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est les creepers, par exemple, tout ce qui est creeper et tout, on peut donc hop là, les faire voler. Vous voyez, eux sont... Enfin voilà, on peut les faire voler. Donc ça, c'est assez cool. L'utilité, je ne la vois pas pour les mobs, mais ça peut être quand même assez cool. Hein. Alors là, on va au plus intéressant, donc les trucs les plus intéressants. Alors c'est vraiment court, hein, mais il n'y a pas grand-chose à mettre, à part que c'est un mode génial. Alors vous voyez, il y a les carpettes, il y a le bois, il y a les coffres, four, enfin il y a tout ce qu'il nous faut dans une maison quasiment. Et même un lit. On va monter dessus. On va y activer. Et regardez bien. Donc on peut faire des grandes structures. Hein, les châteaux des timelapse de certains youtubeurs. On peut vraiment le faire. Donc c'est ça que...
qui est magique. On peut y faire, je n'ai pas compté jusqu'à combien de blocs. On peut le faire beaucoup plus vite. Mais moi, je vais surtout c'est faire redescendre cette maison qui n'est pas des plus belles, mais comme dit, je ne suis pas fort en design, donc on peut. Ah, je ne l'ai pas désactivé. Donc là, c'est vraiment encore le plus intéressant. C'est alors j'ai fait une petite barricade, ça devait être un avion, je le ferai là finalement. Donc voilà, un petit tank, on va dire ça comme ça si vous le voulez. Alors on va descendre, on peut y aller dedans. Et regardez bien, on se met ici. Donc là, c'est dommage parce que ça gêne, pourtant on est en train de voler, hein. C'est tout bête, mais on est en train de voler. J'ai juste enlevé les mobs, excusez-moi. Donc on est vraiment en train de voler, c'est vraiment génial. Donc là j'ai bugué malheureusement, ce qui fait que je n'arrive plus à éteindre le truc là. Donc si on est dedans, vous verrez qu'avec certains avions là qu'on va voir à côté, on peut bien se mettre comme il le faut. Alors là je suis dans la masse, parce que là je ne peux plus l'arrêter. Alors, j'ai eu de la chance, donc voilà, on est parti quand même pas mal haut. Et ça, c'est mon préféré, donc les petits avions. Donc après, vous le designez bien comme vous voulez. Alors regardez bien, on se met là comme ça. F5. On est assis. Le bras est bugué, hein. Ce n'est pas, regardez, dès que vous partez. Ah si, là il est un peu bugué mon bras. C'est dû au mode, c'est pas dû au bug qu'il devrait avoir. Hein. C'est dû au bras, donc c'est pas bien grave. Hop là. Alors regardez bien, on va se mettre en vue. Oula, excusez-moi. On va se mettre en vue comme ça. Et regardez, c'est parti. Et voilà, on conduit notre petit avion. On peut le dévier comme ça, enfin on peut le faire un tour comme ça. Donc c'est assez dur à manier, hein. De toute façon, toutes les touches seront à votre disposition. Donc voilà, et vous pouvez faire des petits combats bien sympathiques d'avion. Donc c'est souvent des modes qui sont bien utilisés pour des trucs, enfin des. Enfin voilà, ça peut être vraiment cool. Et je vous invite vraiment à le prendre. Donc vous voyez, hop là. Donc bien sûr, c'est gratuit, donc profitez-en. Hein. Surtout, ça sera. Je dis pas qu'il faudrait le mettre dans une survie. Ça, non, pas du tout. Et je pense que ça irait pas dans une survie. Mais pour un peu de fun avec vos potes, ça pourrait être assez bien. Donc mon bras est buggé, ça m'énerve. Un petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, car ça aussi, c'est gratuit. Vous ne perdez rien, justement. Vous saurez quand sort mes prochaines vidéos. Et sinon, likez, lien utile dans la description. Donc, ça me demandez les liens. Et sinon, bon jeu à tous et bye, allez, bye!